C'était une journée en soutien au projet Mosaïque Roule contre le cancer. L'association Mosaïque Centre Social à Équeville se lance pour la 3e édition dans un défi à vélo du 25 au 30 octobre. Cette année, l'aventure part des Sables d'Olonne pour se terminer dans la ville yvelinoise. Mosaïque Roule contre le cancer, ça a vu le jour suite à une initiative de jeunes en 2018. Suite au décès de leurs camarades, ils se sont mobilisés. Entre guillemets, on n'a rien pu faire pour notre camarade qui est décédé. Comment on peut accompagner ou soutenir les autres ? Les jeunes ont donc établi un parcours pour sensibiliser la population dans d'autres villes, comme Nantes, Angers ou Le Mans. On va s'arrêter dans différentes villes. Donc en tout, il y a 7 villes. Et dans chaque ville où on s'arrête, on va rencontrer des jeunes, on va sensibiliser le cancer. On a décidé de participer à ce projet parce que c'est là une façon de lutter contre une bonne cause. Et là, c'est le cancer et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et pour faire connaître ce projet aux Équevillois, des ateliers étaient organisés comme un atelier réparation, un atelier vélo smoothie ou encore une balade parent-enfant à vélo. L'objectif de cette journée, elle est double. Le premier, ça va être de sensibiliser à tout ce qui va être la sécurité routière, le transport en vélo et inciter les gens à faire du vélo. Et le deuxième, à une cause qui est noble, qui est le cancer. Et donc, on en revient à Mosaïque Roule contre le cancer. Donc vraiment, sensibiliser la population à ce que c'est le cancer. Pendant 6 jours, 12 jeunes d'Équeville vont parcourir 600 km. Une cagnotte litchi a été ouverte pour soutenir le projet.